Il y a un truc qui m'éclate, c'est que t'es dans le jeu et tu te retrouves au menu principal, dans le même endroit ou à un moment dans le jeu, tu te retrouves ici, je veux dire dans la caravane. Et c'est là que tu vois en fait, il n'y a pas tout. C'est au fond, normalement, il y a la cage avec le magnium, il y a une télé où tu dois retrouver qu'un magnéto. Et c'est moins dégueulasse, tu vois. Il a refait la déco. Allez, salut à tous, bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau épisode sur Resident Evil 7. On continue l'aventure sur cette neuvième partie. On va faire un épisode assez long, je pense, aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui. Sur Resident Evil 7, où on va aller essayer de récupérer pour continuer à faire ce remède tranquillement. Allez, on est parti. On lance la partie. Continuer. Oui, charger les derniers données sauvegardées. Oui, c'est parti. Voilà, on est dans la caravane. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle aventure, pour continuer l'aventure sur Resident Evil 7. Ici, je me demande si on met la cassette Mia, qu'est-ce que ça donne? Alors, j'ai voulu regarder la cassette et en fait c'était la même qu'avant. On doit sortir et on doit aller. On doit aller où? Bandry. Ouais, j'ai une. Ah, on doit aller là. Je pense qu'on doit retourner dans la maison. Ils disent quoi? Reprendre à Lucas l'ingrédient du sérum? À mon avis, on doit retourner à la maison. Ça doit être ça. Parce que là, il faut les deux clés. C'est-à-dire qu'il faut retourner à la maison alors. Bon, on y va. Ouais, ça doit être ça. Hein. Parce que j'ai la clé maintenant. Si je me souviens bien, j'ai la clé. Ouais, j'ai la clé, elle est là. Bon, j'ai des munitions, c'est plutôt cool. Alors, on y va. C'est quoi ça? Une plante. Alors on sait qu'il y a une plante ici. C'est plutôt sympa. Alors. Ok. On est là. On est revenu ici. Poste de surveillance. Non. Réserve. Et moi, je dois aller ici. Il y a un truc à faire. Je sais pas du tout où il faut aller en fait. C'est là, faut aller? Où il faut aller? À mon avis, faut retourner en bas. Attends. À mon avis, faut retourner en bas. Moi, le truc que j'ai bien envie de faire aujourd'hui, c'est d'ouvrir les portes. Peut-être comme ça, on sait jamais. Ils avaient pas de lumière avant ici? Je croyais qu'il y avait de la lumière moi. Putain, mais qu'est-ce qu'elle fout là encore elle? Elle m'a fait peur! Putain, elle est partout elle! Elle m'a trop fait peur cette connasse! Pourquoi faut revenir là hein. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole à la con.
Putain de ta mère. What the fuck? Bon bah c'était bien par là en fait. Attends, je me soigne. C'est bizarre ça. C'est quoi ça? Son corps doit être encore en état. Oh. Quoi? Ah non. Qui a fermé la porte? Putain, je vous jure, j'ai les pétoches. Quoi? C'est pas ça? Ah, c'est où alors? Putain de ta mère! Con lui! Oh! Ha! Voilà! Là, il y a une tête d'oiseau. On va ouvrir avec pas, je le savais, mais oui. Putain, lance-grenade quoi, mec, quoi. Qu'est-ce que je pourrais dégager? Je crois que je vais mettre des trucs dans le coffre. On va prendre ça, c'est quoi ça? Non. Putain, j'ai un lance-grenade quoi! Alors. J'ai la main. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. C'est quoi ça? Munition 44 magnum. Ça, je mets de côté parce que je m'en fous. Ouais, j'ai de la place, c'est bon. Allez, on va prendre le lance-grenade, on y va. J'ai des nouvelles, j'ai une nouvelle arme, un lance-roquette, un lance-grenade et une grenade incendiaire. Ça c'est plutôt cool. Maintenant, bah, le but du jeu c'est de trouver par où faut aller quoi. C'est ça qui me sequine un petit peu la tête. Le flic t'attend dans la salle de dissection Toka. D'accord. Veut dire que il m'a dit que le flic m'attend dans la salle de dissection. Et la salle de dissection, elle est là. La salle de dissection. Attends, voilà. Elle est là, la salle de dissection. Allô? Robert? Non, personne. C'est assez chaud encore épisode quand même parce que. Attends, si je prends ça, est-ce que je peux faire un. Ouais. C'est bon ça. C'est assez chaud quand même parce que tu joues pas pendant une journée. Pourquoi tu te souviens plus où faut aller? Alors vu que l'épisode là il va être assez long. Ouais, c'est chaud, quoi. Ouais, ça, la dissection, elle est pas loin. Hein.
Putain, y'a un mec qui m'a fait peur, un tocard là, un connard. Attends, c'est bien par là, hein. Ouais, c'est là. Tu m'as dit le... Putain, il me fait peur ce con. Il y avait un monstre qui est sorti là tout à l'heure. La grand-mère, elle est là. Salut mamie. On s'appelle, on se fait une bouffe. J'ai l'impression que celle-là, ça donnait le boss principal. Bon, on était sur le bon chemin en fait. Plutôt cool. Alors, son corps doit être en état de rigueur morti. La planteur, ouais. Qu'est-ce qu'il fait? C'est dégueulasse! La clé serpent. C'est pour ça. C'est pas une chose. Va t'aider à trouver les deux cartes d'accès dont tu auras besoin pour participer à notre petite fête. Tu dois gagner ton billet d'entrée, Ethan. D'accord. Ah, bah tiens, des copains. Bon. Allez. Oh putain. J'ai oublié qu'il était aussi coriace, la vache, putain. Y'a pas d'autre? C'est bon. Ah, d'accord. Ok, j'ai compris. La clé serpent était dans le corps, c'était tout con. Hop. Bien sûr, là je rentre dans un endroit que je connais pas. Oh là 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 là. Prendre ça quand même, ça sera mieux. Bienvenue ici. Ah, c'est pour sortir plus rapidement. Ok. Ok. Putain de ta mère. Fils de pute, toi. On se casse, on se casse. On est marre. Oh, c'est bon, ouais. Je regarde si la vie est pas là parce qu'elle serait capable de me faire peur celle-là. Elle. Bon, on a la clé, maintenant on va sauvegarder. Il y a la chambre d'enfant, faut aller dans la chambre d'enfant. Et bah on va aller à l'étage en premier. Allez, on va aller à l'étage. De toute façon, je sais où il y a les portes avec le truc. Et voilà, des méchants. Bonjour. Allez, approche-toi. Approche-toi. Et merde. Je sais pas par où ils arrivent, mais bon. Oh, t'es grand, toi. Mais t'es pas beau. Non, t'es pas très beau. J'ai peur, maman, j'ai envie de faire pipi.
voyez, les jeux d'horreur, c'était pas trop mon truc au tout début. J'avais commencé à faire Outlast que j'ai jamais fini. Parce que celui-là, il me fait vraiment peur. Que là. Oh putain. Oh putain, elle est encore là, elle. Mais c'est pas possible, t'es partout, toi. Le gars, ton mari mort? Il est mort, hein. C'est con. Hein. La même heure sur toutes les horloges. Ok. Vous n'avez pas assez de place. Juste pour une photo quoi, faut dégager un truc, t'es sérieux? Non, on va le garder. C'est pas grave. Non, ça c'est... Wow. Maintenant vous avez plus d'objets. Ah, c'est cool ça. Bon, allez, on prend. Photo de notre trésor, ok. On prend ça. Attends, y a un truc dedans. Non, y a rien. Rangement. Y a quelque chose. Ah. Peut-être la photo, peut-être, non? Avril 1980, Jack rejoint les marines. Une deuxième plante, oui. Ça va, mamie. T'es pas belle, hein. Il y a un trou là. Ça se marque quoi? La même heure sous toutes les horloges. La même heure sous toutes les horloges. Je veux dire, il y a une heure à mettre. On va trouver. Et à mon avis, ça va ouvrir le coffre. Bah, le lit. Le lit va se déplacer tout seul, hein, c'est ça? Pas être plus con qu'un autre. Attends, on va se trouver une horloge. C'est normal ça. Et quelle heure en bas? Putain, je vois rien. Trois heures. Ok, je vois. On y va. Bonjour, on revient ici. Qu'est-ce qu'il faut branler? Je comprends que dalle. Y a des monstres dessous. Hein.
Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Il n'y a pas d'indice dans le coup de mes parages. Mamie, c'est pas toi qui as l'heure? Connasse. Bon, on descend. La même heure sur toutes les horloges, je veux dire. Et quelle heure là? Là, il est 10h15. Ici, on mettait 10h15. Attends. C'est une horloge, ça. Ah, fallait plus de quoi. Putain, j'ai eu peur. Oh là là. Oh là là. Faut vraiment y aller. Mais j'ai pas envie, moi. Putain, dans quoi je m'embarque? Oh, c'est dégueulasse. C'est des toiles d'araignée partout. Ça a pu faire le ménage quand même, hein, avant que je vienne. Hein. En plus... Ah, mon Dieu! C'est quoi ça? Oh putain, j'ai la carte rouge. Oh, j'ai trouvé la première carte. Il en revient là. Eh ben. Putain, tu vois, la vie, elle va repoper, quoi. Putain, encore toi? C'est pas possible! Et en plus, vous êtes deux. Ah! Ah! Aïe! C'est incroyable, vous deux, là! Oh putain! De Dieu. Putain, c'est la première fois que j'utilise des munitions améliorées. Bon, on va sauvegarder. C'est un truc que je fais souvent, hein. Faut... Moi, je sauvegarde souvent dans le jeu, hein, je vous le dis. Alors... Bon. Maintenant j'ai plus de munitions. C'est bien. Bah oui. J'ai plus aucune munition. C'est génial. Alors, il faut aller dans la chambre de la grand-mère qui se trouve là-haut.
C'était un épisode très chiant. Vous dis pas le contraire. Et tu vois qu'on va revoir la grand-mère. Mamie, t'es là? Ah non. Il est cassé. Le mais, ça pue comme pas permis. Il y a un drôle de jus qui coule au du plafond. À part ça, comme j'ai eu le temps, j'ai encore le trophée de la télécommande. Maintenant, il y aura de la lumière, même la nuit. Le avril, Olivier a arrêté de crier, mais parfois je l'entends frapper là-haut. D'accord, tu me rassures beaucoup. Je te remercie. Bon, alors, on se retrouve ici devant la porte. La porte, comment dire, de la chambre d'enfant. Parce que vous avez vu que dans l'extrait d'avant, j'étais dans la chambre. Mais le problème qu'il y a eu, c'est que, comme vous me voyez à la cam, au moment où j'avais trouvé l'indice, je ne vais pas vous le cacher, j'ai eu un petit problème à la caméra. La caméra s'est coupée. Je veux dire que c'est pour ça que je suis habillé autrement. On est le lendemain de la première partie de l'enregistrement. Et là, je continue l'enregistrement le lendemain. C'est tout con. Alors, on va ouvrir, on va réouvrir la porte. Avec la clé serpent. Voilà. Voilà. On s'est arrêté là. On avait lu le petit papier ici. Qu'on va reprendre. Voilà. Tac. Comme ça, au moins, ça fait un document en plus. Je vous avais lu, mais bon, ça avait coupé. Hein. J'avais coupé. On va tout revoir, on va tout regarder. De toute façon, je sais où il est le truc. Hein. Ça va ouvrir là. Il y a l'échelle qui va descendre là, vous allez voir. Voilà. Ici, ça, on peut, il est cassé. Voilà, c'est vraiment le petit truc qui m'a bien fait chier. Tout à l'heure, quand je hier soir, pardon, quand j'enregistrais, et ça c'était un peu casse-couille. Et là, je suis en train de voir qu'en fait, j'ai plus du tout de place dans ma. Attends, voilà, j'ai des munitions, c'est plutôt cool. Voilà, je peux récupérer pas mal de choses, mais le problème, c'est que j'ai plus de place dans voilà, j'ai ça. Ah, le bouton, il est juste là. Voilà. Alors, on va relire ça pour vous. Maman m'a amené à l'hôpital de la ville. Ils ont pris une photo de ma tête avec une machine bizarre. Ensuite, maman m'a acheté un puzzle de 259 pièces au magasin de jouets. Cet imbécile d'Olivier n'arrête pas de me taquiner. Il dit tout le temps, t'es malade dans ta tête. J'ai menti Olivier, je lui ai dit de revenir pour ma fête d'anniversaire. Et puis, je l'ai enfermé dans le grenier depuis l'extérieur grâce à ma télécommande. Il n'arrêtait pas de me supplier, laisse-moi sortir, Lucas. J'ai changé la télécommande pour que cette idiote de Zoé ne puisse pas aller dans le grenier. Je l'ai combiné avec l'un de mes trophées d'inventeur. Elle ne le trouvera jamais. Et pas de bol, le trophée, je l'ai trouvé. Alors, ces trucs qui m'énervent, c'est que il y a des cartouches de fusil, là, je peux pas les prendre. Voilà, faut que je dégage un truc. On va voir un truc. Ah, bon, on va utiliser un truc de soin. Voilà. Ouais, comme ça, j'aurai un petit peu de soin sur moi, c'est plutôt cool. Là, vous avez une jolie petite batte de baseball, bien sympathique. Alors, on va pas se le cacher. Ici, un petit trophée de championnat robotique amateur 1948, mention honorable. Plutôt sympa. L'autre, c'est quoi l'autre? Un troisième concours des jeunes ingénieurs, deuxième place. Ouais, c'est pourri. Il aime bien le football américain, lui. Hein. Ça se voit. C'est quoi? Deuxième concours des jeunes ingénieurs, troisième place, ouais. Et que de sous-lit, j'ai pas regardé en fait ce qu'il y a. Y a rien de spécial, là il y a un ballon de foot. Là c'est une lumière. Il y a rien. Ça on peut pas. Alors ça je sais pas si on peut le prendre. Vous n'avez pas de cette place, ouais. Le comestible en fait ça sert
Et ça, bah, on l'a déjà pris. Voilà. Et l'indice, il est là. Voilà, c'est tout con. On fait ça. Et l'échelle, elle tombe. Voilà. C'est tout con. Maintenant, on va récupérer ça. Je pense que. Putain, j'en ai des plantes. Hein. Ça, faut pas dire, j'en ai pas mal. Je peux peut-être. Attends. Recharger un petit peu ma. Voilà, mon fusil à pompe. La place prendre ça. J'aurais été tranquille. Faut pas dire que dans ce let's play, j'aurais pas pris mon temps pour le faire. Voilà. Ah, il y a des trucs assez marrants dans le grenier hier quand j'ai tourné la vidéo. Vous allez voir. Par exemple, vous avez la cassette vidéo joyeux anniversaire que on va prendre tout de suite. Et ça, le problème, c'est que je peux pas le. Ma série B, ouais. Photo d'un trésor, j'ai acheté. Non, mais c'est con que j'ai pas mis ça dans le coffre. C'est quoi ça? Supplément des comprimants. Ouais, voilà, on va le prendre. Et on peut pas le. Attends. Non, on peut le prendre. Non. Voilà, ça. On est d'accord. Non, ça c'est quoi ça? C'est mission mirée ça. Mission pistolet. Ah bah j'en ai assez. Attends. Oh là. Eh merde! Oh j'ai fait le con là. Bon c'est pas grave. Allez hop, on prend ça. On va me dire, ah, pas j'ai plus de vie. Là, c'est quoi ça? Client Jack Baker. Contractant Trevor et Charbelin, construction, période du chantier 1900-1992 au 30 novembre 1992. Détail, installation d'une porte activable par des ombres dans le hall principal. Voilà, les trucs à ombre là-bas. Là, vous avez un fusil en bois, une hache en bois, que je prendrai pas. Là, vous avez ça, qu'on peut se servir. Mais c'est vrai que ça a été pas mal que je puisse trouver. Attendez, on va faire ça. Déjà. Alors, ça, c'est chiant parce que. Ah, il est où le haut? Alors, on va trouver le bon. À mon avis, ça c'est comme ça. Tourner. On va tourner, 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 tourner. On va trouver. Vu que je trouve le bon emplacement. Voilà, je l'ai trouvé. Wouhou! Il était chiant celui-là. C'est ça la carte? Merde, j'ai pas assez de place. Merde! Bon, on va jeter un truc. Merde! Bon, tant pis, ça on jette. Allez, hop, on. Oui, c'est pas grave. Allez, on jette, c'est pas grave. C'est quoi ça? Le tableau intitulé le jugement représente une femme à genoux devant la foule. Oh merde. Bon. Bon, alors on a les deux.
Il y aura une couille. Il y aura une couille. Moi, je te le dis, moi. Bon, à mon avis, faut retourner dehors. Faut avoir une couille. Alors, j'ai deux cartes. Ça, vous le savez. Faut retourner dehors. Faut retourner à la caravane. Mais il va y avoir une couille, je le sens pas, là. T'as le téléphone, il sonne, on y va. Alors, truc qu'on fera dans le prochain épisode, c'est qu'on mettra la cassette, hein. Laisse-moi parler à Mia! Non! Tu dois d'abord te poser! T'as quand même pas oublié où était la fête, pas vrai? Tu peux entrer depuis le jardin! Dépêche-toi, mec! Allez, tout le monde t'attend! Bon. Ok. On va y aller? À ta fête! Hein, vous l'avez dit? Y'a une couille! Il allait avoir une couille! Je vous l'ai dit! C'est impossible qu'il n'y ait pas de couille! C'est impossible! Putain, attends, la musique a donf là-dedans et on. Les voisins sont un petit peu bruyants, je trouve! Je savais même pas qu'on pouvait faire ça, disons. Alors, je disais au début de la vidéo que c'était une vidéo assez longue. Mais je pense que je vais arrêter là, hein, parce que... Je vais sauvegarder, je vais me foutre dans la caravane. On va faire un petit peu le tri dans les affaires, là. Voilà, bah tiens. On pourrait une mission spéciale, hein. Waouh! Oh, il y a un bug là, il a disparu. Ouf! Bon, j'ai ça. Allez. Alors, on va faire un truc. Vu que j'ai les deux maintenant. On va fusionner ça. Alors, tout qu'on va faire, c'est que ça, on va le ranger. On va ranger. La cassette, on va la faire. Hein. On est d'accord, on va la faire. Voilà. Voilà. On va se ramener là. On va se ramener notre gueule ici. Voilà. On peut pas le. Oh, c'est dommage. La clé, on va ranger parce qu'en fait, j'en ai plus besoin, je pense. De toute façon, je pourrais après, plus tard, reprendre certains objets. Comme ici, solide, je n'en ai pas besoin. Je m'en bats les couilles. Un crochet. Ouais, bah, j'en ai 4. Je vais mettre là, on sait jamais. La main, on va la ranger pour pas la jeter. Les plantes, je garde. La cassette, bon, on va l'utiliser directement. Hein, directement dans le prochain épisode. Alors, truc en fait, c'est qu'on va s'arrêter là. Là, il manque une pièce, là. C'est bien dommage. On va s'arrêter là. Et dans le prochain épisode, je vais essayer, moi, de mon côté, en fait, d'avancer un petit peu. De se trouver des munitions, des conneries comme ça, de fouiller encore la maison, tout ça, avant de passer à autre chose. Et puis, on se donne rendez-vous alors pour le prochain épisode, avec où on va aller retrouver l'autre con, là, Lucas. Je sais plus comment il s'appelle, Robert, là, qui s'en veut là. On voit même c'est la fête. Voilà, un petit peu peur, on ferme la porte s'il te plaît. Merci.
Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Merci d'être nombreux à regarder cet épisode. Merci à vous d'être nombreux à regarder mon let's play. Et ça me fait grave plaisir. De toute façon, je pense que vu maintenant, je vois que avec le VR, les let's play, ça marche. Ben, on en fera d'autres. Allez, on se donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode, ou après-demain, ou je sais pas quand, ou quand j'aurai envie. Et puis, je vous dis, je vous fais des gros bisous. Laissez un commentaire, partagez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ciao!